Bonjour. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à organiser une réunion efficace. Pour qu'une réunion puisse avoir lieu, il y a des conditions. Mais avant de les voir, voyons ce qu'est la réunion. Organiser une réunion signifie rassembler des personnes afin de discuter sur un sujet bien déterminé, de procéder à des échanges d'informations ou tout simplement débattre. Pour qu'une réunion se déroule bien, il faudrait qu'il y ait au minimum un ordre du jour, un timing, c'est-à-dire connaître quand commencer et quand finir, des participants et un cadre propice à l'échange, un MC chargé de diriger la réunion et enfin le matériel nécessaire pour que tout se déroule bien, présentation, projection, explication, support, stylo, etc. Ces étapes sont la clé d'une réunion réussie. Voyons-les en détail. L'ordre du jour nous permet de cadrer le débat. Il permet également aux participants de connaître le contenu et le déroulement de la réunion. Un bon timing nous permet de connaître quand commencer, quand arrêter. Ça nous permet aussi d'être très efficace et très concis. Le cadre doit pouvoir faciliter les échanges et installer une certaine aisance afin que les participants puissent se sentir à l'aise et je vous assure, ça participe au bon déroulement de la séance. Il faudra préparer le matériel nécessaire à tout ce qui est projection, support, etc. pour que les participants puissent mieux comprendre. Le MC à lui, son rôle est de cadrer le débat, de distribuer la parole et de monitorer la réunion. Voilà, cette partie tire à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo 2 dans laquelle nous verrons les différents types de réunions et surtout quand les organiser. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu et surtout n'hésitez pas à partager les vidéos. Merci et à bientôt.